photo de la Cléridor, Optelec, Ous de la Cléridor, retour vidéo montrant la caméra en élévation, en slow motion. Panneau de contrôle de la Cléridor. Nous allons partir à partir du haut à droite. Nous avons donc un très gros bouton bleu qui est le bouton de numérisation. Autour de ce bouton, on a un bouton qui est le bouton de volume. On part sur la gauche. On a donc une petite manette qui va permettre de changer la langue de l'appareil car l'appareil contient toutes les langues possibles. Ensuite, cette manette sert aussi à la rapidité de la lecture de voix. Et complètement à gauche, on a un panneau de trois boutons qui est les touches Play, Pause, Avance rapide, Retour rapide. Derrière de la machine, branchement. Charge de la pile 16%. Bonjour à tous et merci encore de regarder une de mes vidéos. J'espère que celle-ci va vous plaire. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Je vais aujourd'hui vous présenter la Cléridor, la machine à lire très simplifiée. Un bouton ici. Donc la machine, pour les personnes qui ne voient pas, est positionnée sur le bureau. On voit actuellement le dessus de la machine. On a donc ici une manette pour la transporter. D'accord, on a la petite manette ici. Par-dessus, on voit donc le bouton de volume ici qui tourne tout autour en fait du bouton de numérisation. Au centre, ici, nous avons le bouton de numérisation. Nous avons sur le côté de l'appareil une possibilité de brancher et de positionner une carte SD. Le bouton de marche arrêt. Voilà. Donc je vous montre ça, ceci. On revient sur le dessus de l'appareil. On part sur la gauche du bouton numérisation. On arrive ici sur une petite manette qui va permettre de changer les langues ou d'augmenter le débit de la lecture. Et on arrive sur la gauche, sur un panneau de trois boutons. Play pause, un bouton qui est bleu, avance rapide, retour rapide. Voilà pour le panneau de contrôle du dessus de l'appareil. Je vais vous la mettre sur le dos. Actuellement, elle est sur le dos, la machine. Tout en bas, quelque chose de très très important, c'est pour le positionnement de la feuille par rapport à la caméra. On a deux ergos ici de chaque côté. Je vais grossir pour les gens qui puissent voir correctement. Ici, les deux petits ergos, un petit ergo ici et un petit ergo ici. Très important ces deux ergos, car c'est là où on va positionner la feuille. Et n'y voyant pas, on va pouvoir numériser correctement notre feuille. Donc, nous avons deux haut-parleurs de chaque côté. Au centre, la caméra haute définition. Lorsqu'on appuie dessus, la caméra s'ouvre toute seule. Donc, à ce moment, on rend compte que entre les deux haut-parleurs, il y a un trou béant qui laisse donc l'emplacement de la caméra. Je remets la caméra. Voilà pour le devant de l'appareil. On va arriver pour le derrière de l'appareil. Et donc ici, on a la connectique pour brancher, car la Cléridor peut être ou sur batterie, ou sans batterie, branché tout le temps sur secteur. Et des possibilités de branchement d'USB. Voilà pour l'explication un petit peu de la Cléridor et de son environnement. On va donc passer maintenant à la démonstration concrète. C'est parti, on y va. Nous allons donc allumer la Cléridor avec le bouton de fonctionnement sur le côté
droit de l'appareil, tout en haut. On fait un appui de quelques secondes. Une. Voilà, donc lorsqu'on a appuyé sur le bouton de marche arrêt, on entend des petits bips. Une petite lumière verte vient s'allumer à côté du bouton de numérisation. Appuyez sur scan pour prendre une photo. Voilà, donc on a un message qui nous dit d'appuyer sur scan pour scanner et donc pour faire une photo. Un document ici, je le passe devant la caméra. Un document avec des photos, des colonnes. Donc on va le positionner devant les deux petits ergots de la machine. Et on va lancer la numérisation en appuyant sur le gros bouton complètement en haut à droite. Je fais un appui court et je lâche. Alors que le texte soit à l'endroit ou à l'envers, c'est égal. Vidéo agrandisseur connectable. Clearview CHD 24. L'ensemble de la gamme Clearview C est fabriqué par Optolec. Le nouveau Clearview C est un téléagrandisseur de bureau moderne qui est conçu pour améliorer votre confort de lecture. Conception innovante du Clearview C, grâce au placement de la caméra, vous ne serez plus gêné par le plateau lorsque vous accédez à la partie supérieure du document. Alors, en cours de route, on peut faire une pause. Et comme je vous l'ai dit, l'appareil contient plusieurs langues. Donc, on va pouvoir en fait avoir la possibilité de l'échanger à la volée. Ça veut dire que, simplement, en basculant ici la manette et en appuyant sur la flèche de gauche, vous allez voir ce qui se passe. Français, Thomas. Vlaams, Ellen. Nederlands, Claire. British English, Daniel. British English, Serena. Deutsch, Klaus. Deutsch, Julia. Français, Aurélie. Français, Thomas. Et on peut, en refaisant play, relancer notre lecture. Document. Espace de travail. Le Clearview C vous offre plus d'espace de travail. Vous pouvez lire votre journal préféré ou saisir un chèque sans être limité en mouvement. On va passer sur un autre document, un peu plus complexe. Vous allez voir, on va sortir avec un catalogue. Le catalogue qui est donc, il me semble, Science et Avenir. On va prendre le bouquin. On va donc mettre les deux angles du bouquin sur les deux ergots. Je vous montre comment le bouquin est positionné. On va faire un lancement de lecture. Un jet de lumière illumine notre feuille. Une prise de photo, attention. Quelques secondes après, la lecture s'effectue. Dossier médecine. La sieste, rien de mieux qu'un petit somnodurne pour rester en forme la journée. Mais encore faut-il en choisir le type adapté à ses besoins. Nous devons faire la sieste. Martel Sarah Mednick, professeur assistante de psychologie et auteur de Décanap. Change your lift, faites une sieste. Changez votre vie. Livre non traduit en français. Sauf chez les insomniaques, chez qui elle est proscrite. Dans son laboratoire de l'Université de Californie à Riverside, la chercheuse a démontré que pour maintenir ses performances cognitives tout au long de la journée, cette petite pause diurne était autrement plus bénéfique que prendre de la caféine,
Certes, mais quel type de sieste, tout dépend des besoins. On peut donc augmenter la vitesse, vous allez voir, en baissant la manette sur le dessus. Ce qu'on appelle désormais une power nap dans les milieux professionnels. Léon Lac, professeur de psychologie de l'université Flinders, Australie, ainsi explique différentes durées chez 24 et on peut rebaisser au maximum en relevant la manette vers toi, au-dessus. 20 ou 30 minutes, après quoi ils ont subi des tests cognitifs. Les résultats, Sleay, 2006, sont très nets. Mouton est compté d'rêt à s'endormir. Au contraire, le décompte stimule le cerveau. Mieux vaut se projeter en une scène apaisante. Seuls ceux ayant dormi 10 minutes voient le résultat s'améliorer immédiatement, avec certains bénéfices se maintenant au moins durant 155 minutes. La sieste de 5 minutes n'apporte guère, celle de 20 minutes engendre une amélioration des 10 à 15 minutes de sieste suffisent pour se donner un coup de fouet, mais pas après 16 heures. On va prendre maintenant un courrier que j'aurais reçu. Courrier, tout ce qu'il y a de plus classique, un courrier sur une feuille A4. Voilà, je le montre face à la caméra. Je vais faire exprès de le mettre à l'envers, car l'endroit ou l'envers, pour la KeyReader, c'est complètement égal. Je la place devant mes deux petits ergots. Et on relance de nouveau la lecture. Fonctionnalité issue du partenariat entre Claria, l'expert des solutions mobiles facilitant le quotidien des personnes déficientes visuelles, et Doro, le leader des téléphones mobiles pour seniors, le Doro 820 Mini Claria a été entièrement pensé pour répondre aux besoins des personnes non-voyantes. En combinant le smartphone d'Oralberto 820 Mini au son clair et puissant avec l'interface simple et complète de Claria Vox, le Dora 820 Mini Claria offre la meilleure des solutions aux personnes recherchant un téléphone vocalisé. Sa coque en élastomère, parfaitement adaptée à l'écran tactile, permet de donner des repères physiques et de retrouver ainsi une navigation par touche aussi. Donc on peut faire une pause éventuellement et on a même la possibilité de numériser en faisant un appui long sur le bouton scan pour numériser sous forme de tableau. On va écouter. Mode tableau. Fonctionnalité. Issue du partenariat entre Claria, l'expert des solutions mobiles. Voilà donc la KeyReader, la machine à lire ultra simplifiée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un pouce bleu. Si elle vous a plu, abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je vous remercie encore d'avoir visionné celle-ci. Et je vous dis à très bientôt. Salut! Générique de fin. Merci pour votre visite. À très bientôt au 01 43 62 14 62. Et à très bientôt sur notre chaîne.